Châteauroux inscrit le premier but du match contre le PSG. Olivier Tébili trompe de la tête Vincent Fernandez. Châteauroux, déjà en D2, veut quitter l'élite la tête haute. Mais après une demi-heure de jeu, le PSG, privé de nombreux titulaires, égalise par l'inévitable Marco Simone, son 13e but de la saison. Simone se fait cirer les chaussures, comme Ronaldo à l'Inter de Milan. Et finalement, Châteauroux remporte ce match. Et de quelle manière? Une frappe surpuissante de Kakar du gauche. Ça va trop vite pour Fernandez. Bravo à Châteauroux pour sa saison, pour cette dernière victoire. Châteauroux 2, PSG 1.